Donc maintenant, Didier Galéja. Magnifique, j'adore, j'arbore, c'est tout compris, c'est ça le choix, ça je sais, c'est génial, c'est carrément cool, j'adore. Il y a du choix, c'est total, je participe à fond, c'est super, c'est énorme, c'est fou. Non, c'est vraiment dingue, ça s'éclate, ça éclate, ça boum, oui, c'est vraiment formidable, formidable. Carrément fun, vraiment bon, c'est véritablement, je suis rempli, je me sens mieux, vraiment mieux, écrire, c'est dingue, ça rend joyeux, c'est super fun, j'adore. Beaucoup, c'est censé, ce truc, quelle pensée, quelle foule, quel acte, c'est bon, vraiment bon, ainsi soit-il. Putain, ce que c'est bien, franchement génial, ça tourne, c'est vivifiant, j'aime bien, c'est assumé, c'est distingué, c'est choquant, c'est un parasite, c'est ennuyeux, c'est méprisable, c'est impénétrable, c'est con, c'est carrément débile, c'est à chier, ça respire même pas, c'est long, on comprend pas, c'est carrément nul, c'est désobligeant, ça pue, c'est graveleux, c'est vraiment pas marrant, c'est ignoble, c'est l'ignorance, c'est absurde, on comprend rien, c'est carrément débile, ça tient pas, c'est con, c'est vide, c'est grave, mais ça vaut rien, c'est risible, alors ça vient. C'est trop politique, ça vient d'où? C'est dégoûtant, c'est dégueulasse, c'est visiblement nul. Casse-toi, ça pue! C'est l'égout de la salive, c'est laborieux, ça ne veut rien dire, c'est épuisant, c'est pas marrant, c'est contre nature, c'est lapidaire, c'est creux, inintelligible, ça craint, ça pue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu le sais, regarde-toi. Désastre, on peut pas t'encadrer. Qu'est-ce que. Pff, on va faire de toi. Par l'intermédiaire de l'humain qui va le révéler, par autre chose qu'une signature et qu'une date, on ne sait pas ce que c'est que cette autre chose. Ce souffle c'est d'approcher au mystère du vivant, et même d'intégrer le vivant, de le vivre, d'être en plein dedans. L'œuvre ouvre l'œuvre pour ouvrir. L'énergie peut être stimulée, mon énergie est en accord avec l'espace, le temps dans la pulsation de la vie. Réellement, je suis en osmose avec l'ensemble de mon être et de ce qui m'entoure. Depuis ce qu'il y a de plus près, je suis... qu'au plus éloigné. Une ouvre d'art est quelque chose qui donne pourtant, c'est un objet, quelle leçon pour l'homme, c'est l'objet qui donne, il faut être animiste pour être artiste. Cette œuvre est un fait de l'artiste, elle est au-delà de l'artiste qui a senti l'énergie, s'est mise en rapport avec ses matières. Et quelque chose est entré en mouvement et en rythme, l'œuvre s'est créée. Unique, parce qu'elle a été faite dans ce temps et cet espace et que l'on ne pourra jamais retrouver. Cela s'inscrit profondément dans la vie, le vivant. Et tiens, pendant qu'on parle, il faut que je fasse un film, mais là je ne peux pas vous le montrer, parce que, je ne sais pas quel temps dans le verre ardent est actif de ranger en donnant, parce que c'est un signe, je parle souvent avec d'autres choses, enfin, et là, en fait, c'est une nouvelle machine, je l'ai déprogrammée pour que, justement, il n'écrive pas exactement ce que je dis. Donc, ni le Liban en étant tel, sans marquer 10 minutes, ça, oui, bon, on va, ouais, je ne sais pas quel temps en 16. Mon père était violent. Une fois, il me dit, tiens, regarde Frédéric, il me disait, Frédéric, t'es où? Là. Frédéric, est-ce que vous avez vu Frédéric? Excuse-moi, je viens tout de suite parce que là je le cherche partout. Je vais faire un truc avec lui et je le vois pas. T'as pas vu Frédéric? Non, t'as pas vu Frédéric? Est-ce que Frédéric est là, s'il vous plaît? Frédéric est là? Oh putain, merde, il est où encore ce con? Non mais attends, c'est idiot. Si t'avais eu. Si Frédéric avait été là, au moins il aurait pu faire un truc. Mais si j'avais eu un peu de présence. Ah oui, mais c'est ça, voilà, c'est ça, c'est la présence. Il n'a pas de présence, Frédéric. C'est complètement déraisonnable, moi je trouve ça.